Le Cusco sait que de mystérieux hommes sont apparus. On dit qu'ils sont surnaturels, qu'ils viennent avec le vent, qu'ils cachent de la main des étincelles et que leurs habits sont irréels. Ils s'habillent d'or et d'argent. Qui peuvent-ils être? Ne serait-ce pas peut-être les Wiracochas attendus? Oui, ce sont eux. Ils jaillissent de la mer. Ils sont grands avec le visage blanc. Ils montent des animaux inconnus et sont des barbus. Atahualpa veut aussi connaître, avant d'aller à Cusco, les Wiracochas arrivés. Que veulent-ils? Que pensent-ils? Il veut savoir. Ainsi, les observateurs vont et viennent. Francisco Pizarro, l'extremeunier, le Wiracocha majeur, initie sa marche. Los Poechos led. À Congo, il y a des gens révoltés, et de tous côtés, dans la zone de Tumbes et Piura, où pour les dominer, il impose un gouvernement de haine et de terreur. Era el onceavo mes del año, contemplaba tu plaza, tus templos y Pizarro.